口からのこぼさずすべて捧げろ。一か八かと抱くと先生花を咲かせよ。進み出す想いと勇気胸に積み込んで掴め栄光僕らの Oh, c'est sympa. J'aime bien cet opening, il est cool. Bon, encore une fois, moi je préfère des openings anime. Autant vous dire la chose comme elle est. Mais honnêtement, avec les images du jeu, il y avait un bon rythme, il y avait une bonne musique, c'est cool. Donc bienvenue et à toutes et à tous, c'est Ultima Pan, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui on est sur Azure Lane Crosswave, aujourd'hui sur PC. Et oui, j'ai dit bien sur PC aujourd'hui. Alors il est également disponible sur PlayStation 4, voilà. C'est tout aussi bien. Bon, je sais pas s'il est sur le store européen ou US. Bon. J'espère en tout cas, bon, on va pas lancer l'opening parce que bon, j'ai déjà peur des droits d'auteur. Hein. Je sais même pas ceux qui vont faire comparer. Enfin, j'espère vraiment qu'ils vont me laisser ma vidéo. Hein. Ou pire, j'en refais une où j'enlève l'opening, je sais pas, mais bon, on verra tout simplement. Bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que je n'ai eu aucun souci, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est une full découverte. Alors, je vais vous dire une chose, je connais Azure Lane de loin. Bon, j'étais un peu plus habitué à Kantai Collection, qui est vraiment son homologue. Hein. Bon. Je vais vous dire peut-être une chose, Azure Lane, c'est un petit peu une copie hein, de Kantai Collection, et ça trash talk déjà en début de vidéo, bien sûr, oui. Bon, c'est une bonne copie, j'ai envie de te dire, parce qu'il a su imposer son univers, hein, globalement, Azure Lane. Ça a bien rendu, voilà, il y a quand même un bon lore derrière Azure Lane, il y a même un bon anime, hein, voilà, j'ai commencé un petit peu l'anime également. Il est assez bon, quand même, mine de rien, bon, il n'est pas exceptionnel, mais il est vraiment bon, moi je trouve honnêtement. Mais bon, voilà, c'est une bonne copie de Kantai Collection, j'ai envie de te dire. Parce qu'il a su totalement imposer ce qu'il voulait, hein, tout simplement, Azure Lane, et bon, voilà. Bon, honnêtement, j'aime bien. Donc, alors, c'est un jeu, voilà, par Idea Factory, édité et publié par Idea Factory, Compile RT, Felistella. Eh, 3 studios, mon gars. Rien que sur un jeu. C'est que ça va être un bon jeu? Non, je sais pas. En vrai, je sais pas parce que... Vous savez quoi? Je vais aller dans les options parce que je suis pas sûr. Parce que, bon, voilà. Vous avez vu, vous avez certainement remarqué que j'ai déjà eu des lags à l'écran titre. Des lags à l'écran titre. Et des lags à l'opening. Vous savez, ça me fait peur tout ça. Donc, je vais quand même baisser rapidement la fenêtre, voir ce que ça donne. Bon, OBS ne fait pas de la merde, il fait de la merde. Donc écoutez, ce qu'on va faire, hop, on va remettre la position initiale, bien entendu. Où on va capturer une fenêtre, mon dieu, oh vous voyez plus le jeu. Oh là, c'est incroyable hein. D'ailleurs, oui, je tiens à dire également, ce jeu est vraiment, bon, totalement connu. Moi, je suis dans l'univers de Azure Lane de très loin, encore une fois. J'ai même joué hein, au jeu Kantai Collection. Donc, c'est un browser game. Hein, bon, t'as les gens qui disent, c'est quoi Kantai Collection? Est-ce que ça se joue sur PSP, sur PS1, sur PS2, sur PS3? Bon, je rigole pour les deux premières générations, bien entendu. Bah, ça se joue tout simplement sur PC. Et il vous faut un compte avec un VPN japonais pour y jouer. Parce que nous, pauvres européens, pauvres paumés que nous sommes, on peut pas jouer à Kantai Collection. Donc, tu es obligé de suivre des tutos pour jouer au jeu. Voilà. On doit dire la chose. Par contre, Azure Lane, c'est un jeu sur mobile. Donc, beaucoup plus accessible. D'ailleurs, il a été porté ici sur le Play Store, en US, voilà, voilà, avec une petite traduction. Ça fait plaisir, hein, voilà, voilà. Donc, honnêtement,
Je trouve que quand Tech Collection a fait son temps, Mazur Lane vraiment a repris le temps qu'avait imposé Quantic Collection à son époque. Et là, bah, c'est un petit peu... Bah, je vais pas dire l'âge d'or d'Azur Lane, mais un petit peu, tu vois, un petit peu. Bon, on va en faire un new game alors. Je tiens juste à préciser, voilà, je n'ai jamais rien touché à ce jeu. Je l'ai découvert intégralement. J'ai vu du gameplay que par l'opening. Donc, totale découverte. Totale découverte, les gars. Donc, je suis content de te revoir, commandant. Je suis Shimakaze. Ton... Bah oui, voilà, c'est des battleships, donc voilà. Si vous connaissez pas l'univers d'Azur Lane, c'est des filles navires, voilà, en gros, voilà, si vous voulez. Mais voilà, il y a tellement après de références à la Seconde Guerre mondiale, enfin des navires de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, également des sous-marins par moment. Et voilà, c'est vraiment bien foutu. Il y a vraiment beaucoup de modèles, hein. Il y a vraiment énormément de modèles, ça donne beaucoup de ship girl, hein, autant dire la chose. Et donc voilà. Alors, si tu veux changer de... Ok, ça va. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, donc, tu as le système, galerie, ok. Bon, j'imagine que c'est pour voir les CG, peut-être l'opening movie, peut-être qu'il y a des séquences animes, hein, ou des cinématiques, je sais pas. Je sais pas du tout. Par contre, je vais un chouïa, hop, voilà, augmenter le son. Par contre, j'aime pas ces jeux que quand tu quittes ta fenêtre, t'as plus de son, tu vois, t'as plus rien du tout. Bon, c'est personnel, hein, ça, encore une fois. Donc, ok, ça c'est pour mes items et voir éventuellement l'ensemble de ce que j'ai. Donc les équipements, bien entendu, voilà. Ok. Attends, fais voir. Ok. Alors, faut savoir que je joue ici avec une manette PS4, hein, pas une manette 3.6, donc voilà, le bouton Y, tout ça, bon. Je sais plus ou moins ça se trouve, mais bon. Rapidement, hein. On va dire ça comme ça. Ben, voilà, donc le dock, ok. Donc ça, c'est pour les personnages, le statut, j'imagine. Command Heal, précise de Hey Button, will display the statue screen. Ok, donc voilà. Donc si j'appuie sur A... Je peux voir éventuellement tous les équipements que je peux lui mettre, ok. Il y a des skills. C'est bien, ça. Et, ouh, elle est stylée, elle, hein. Suriga, d'accord. Bon, après, je vais vous dire une chose. J'ai jamais joué à Azur Lane sur mobile, je tiens à préciser. Voilà, donc c'est vraiment bah, ma première plongée dans cette licence, hein. C'est ce jeu, voilà, sur PC. Tu veux dire la chose, bon. Moi, j'aime bien, celle-ci. Voilà. On va y continuer à apprendre, donc voilà. L'histoire. Ok, donc le bouton A... Ok, donc il y a du skip, ok, ça va, bon, j'imagine que ça va être un story mode vraiment, this is a record of a... ok. Moi j'imagine que ça va être le gros lore d'Azur Lane, hein, bon, m'excuserai, je vais skip un petit peu les dialogues, bon, je laisse un petit peu, hein, voilà, pour les gens qui s'intéressent, mais bon, je vais quand même passer un petit peu légèrement, ouais, si je comprends bien, allez, il y a plusieurs nations qui se battent, voilà, on doit se fight et tout, bon, c'est... Un anime militaire aussi, hein, faut quand même comprendre, hein, dans l'immédiat que voilà, qui dit anime militaire, qui dit tout simplement plusieurs empires, qui dit plusieurs empires, bah qui dit une guerre qui peut toujours éclater entre deux nations, hein, voilà, ça va de soi. Par contre, je sais pas si c'est, comment dire ça, ces navires-là qu'on nous présente ici, existent déjà dans Azur Lane. Bon, je pense que oui, hein. En tout cas, les modèles sont sympas, bon, j'adore. Les choses ont changé. Non, je fais que traduire, hein, légèrement dans ma tête. Un groupe. Ah, donc, oui, donc les méchantes, apparemment, si j'ai bien compris, ce sont les sirènes, si j'ai bien compris, la race, ou le groupe des sirènes, tout simplement. Attends, quelle nation t'intéresse? Attends, je vais pouvoir choisir... Non, attends. Attends, je peux choisir ma nation? Non, je sais pas. Bonjour. Oh. Oh putain, oh c'est tight qu'elle a. Ah c'est tight qu'elle a. Oh. Ah et le plan culotte. Oh vendu. Putain. Je dirais rien. Oh bon ça. Oh, c'est un truc de fou. Ouais, voilà. Takao, d'accord. Donc si je lis bien, ouais ça va être un entraînement donc. Le tutoriel, hein, en gros, vous comprenez, je pense aussi. Que ça va depuis que j'ai légèrement baissé la fenêtre, ça a l'air de beaucoup mieux tourner, moi, après. Je suis pas encore une game, hein, pour juger. Mais je sais pas quand... J'ai un bon PC, pourtant, tu vois, j'ai un bon PC. Pourtant, dès l'intro, ça laguait. Donc, ouais. Donc, je préfère quand même faire attention. Bon, la fille blonde, là, je la connais.
La fille blonde qui était passée là, je la connaissais. Par contre, tout le reste, encore une fois, je connais pas. Hein. Et oui, bon voilà. Pour vous dire, j'ai également pris la manette PS4 pour pas que ça fasse trop de bruit aussi, parce que bon. La 3-6, ça fait quand même son petit lot de bruit, hein, voilà. Les boutons sont un peu plus sensibles, mais bon. C'est pour le confort du gamer, on va dire ça comme ça. Mais oui, c'est pour le confort, c'est sûr, mais bon. Voilà. Pour une vidéo, c'est quand même un aspect assez différent. Je vais légèrement peut-être baisser le son. Les jeux de baisse, hein, comme d'habitude. Hop, voilà, on est bien. Ok, bon. Alors, le tutoriel sûrement. Ah bah voilà, tu vois, ça je connais par contre, ce genre de plan et tout. Dans le jeu mobile, parce que bon, j'ai vu des vidéos du jeu mobile, hein, et ben t'as ce genre de chibi, voilà, qui est utilisé. Et du coup, ok, alors, ah c'est une world map. Ok, ouh. J'imagine que c'est une zone, hein, à part entière. Ok, donc je suis dans le menu, bon, rien ne change a priori. Donc voilà, si t'as envie de te préparer au combat, tu utilises le menu des items pour te préparer, hein, voilà. Tu mets tes équipements, ton skill set et tout. Ok, donc les caractères des statues et tout, bon, comme d'habitude. Ok. Oh, Event Battle. C'est sympa, je trouve. Tu vois, cette petite manière de se déplacer et tout, c'est cool. J'apprécie beaucoup. Après, il faut voir in-game, hein, encore une fois. Pour ma part, c'est le plus important. Ok, bon. Écoutez, je vais passer parce que j'ai juste hâte, c'est de jouer, là. Est-ce que ce serait pas déjà... Oh, voilà, voilà, j'allais lire. It's Siren. Ce sont des sirènes, attention. Donc voilà, moi j'imagine faire le tuto contre les sirènes, hein, tout simplement. On voit que les dialogues sont nombreux, mais c'est bien parce que ça met un petit côté, bon, je vais pas dire veine, mais qui, honnêtement, est assez poussé dans les dialogues. C'est-à-dire que t'as beaucoup de dialogues, tu t'attaches juste au personnage, parce que, bien, t'as une belle touche d'humour, j'ai l'impression, aussi. Alors, je sais pas si dans Azur Lane, c'est comme ça, si c'est bien représenté dans ce jeu, parce que, bon, encore une fois, c'est ma première fois dans cet univers, hein, donc je saurais pas faire de comparatif, mais bon. Ok, oui, on arrive. J'ai ma casée et Suruga, d'accord. Ok, alors, je dois... Attends. Attaque. Ok, alors je sélectionne un groupe de 3 visiblement. Par contre, regardons. Ouais, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21, 28. 28 personnages. Ça me paraît pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Et en plus, t'as du support. Du coup, c'est le même nombre. Ok, hein, 28 supports également. Ah, ça fait quand même. Ouais, ouais. 56. Bon. Pas 56 personnages jouables, mais. Chip différent. C'est cool. Non, c'est bien ça. Ok, je vois. Donc RT, ok. Donc oui, il y a un lock. Je m'en doute bien aussi. Ouais, excusez-moi, je lis rapidement. Change caractère, ok. Donc les boutons directionnels, c'est pour changer, ok. Bon, j'imagine que le stick, c'est pour se déplacer et tout. Ok, RT, c'est pour faire un RT sur Twitter. Non, je rigole. Donc RT, RB, ok. Ok, alors on va voir ce que ça donne in-game tout simplement. Ouh, Wood. Hey, ouh, Wood. J'ai vu ça rapidement comme ça. Oh, mon dieu, mais c'est tellement rapide les temps de chargement. Un truc de ouf. Ok, alors fais voir le jeu. Ok. Alors là, j'appuie sur ok. R1. Enfin, de mon côté, c'est R1. Je sais pas ce que, encore une fois, je connais pas réellement le mapping, hein, de la manette 3-6. Donc, je pense que c'est peut-être le bouton RT, le R1. Comparé à la PS4. Ok, alors. Si j'appuie ici. Oula. Wouah. C'est quoi ce lag? Oh la vache. Et ça lag vénère, hein, comme jeu quand même. J'ai l'impression que c'est fou quand même. Ah ouais, ouh, l'optimisation, là, les gars. Et moi, je sais que j'ai un bon PC parce que j'ai vu les configs et tout. J'ai tout recommandé. À 100%. D'accord. Ah ouais, il est mal opti le jeu. Waouh la vache. Après, le jeu est déjà sorti, mais bon, après... je vais te dire, on s'attend quand même à des jeux corrects et fluides, hein, dès leur sortie. Hein. Je veux pas dire... Quand j'attends un jeu, j'attends qu'il sorte en bon état, tu vois. En bonne et due forme. Mais je sais pas, parce que, tu vois, là c'est fluide. Là, j'ai pas de soucis, j'étais devant des ennemis, c'était fluide. Mais au moment où j'ai fait mon explosion, ça a pété un câble, le jeu. Le jeu, il a vraiment pété un câble.
Regarde là, là, ça a pété un câble. Ah non, là ça va mieux. Ok. Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon. Alors à première vue, ça a l'air bien. Ouais. Bon, sans trop plus, hein, j'ai envie de te dire aussi, mais bon. Ça a l'air correct sans plus. On voit hein, quand on contrôlera d'autres chips, hein, bien entendu. Bon, je regarde. Non, ça. J'ai cru que ma souris était en plein écran. Bon, ça va. Donc, j'ai eu le S, hein, tout simplement. Bon, c'est bien pour une première bataille. J'ai envie de te dire aussi. Ok, bah, du coup, maintenant. Ok. Alors, ça, c'est des loot box. Je sais pas. C'est les loot box. Non, c'est les coffres. Donc, ok, tu obtiens des armes, visiblement. Ah, c'est bien hein, ce système de zoom, des zooms et tout, bon. C'est très simple mais efficace, j'ai envie de te dire aussi. Ok, ok, c'est cool ça. Alors, oh, j'ai un coffre en or. Wow. 28. Bah attends, je... Ok. Un charme. Ok, donc si j'ai un charme, c'est-à-dire que quand j'utilise en combat, j'aurai un plus gros taux de drop pour dropper des items plus rares. D'accord. Bah du coup, le charme, comment on le met? Ok, fais voir. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors c'est peut-être pas encore que je serai dans le briefing du combat. En tout cas, ça parle beaucoup. Hein. Faut aimer les Seiyuu, les gars. J'aurais juste que ça à dire. Ok, alors. Bon, est-ce que je peux mettre mon Lucky Charm normalement ici? Ou alors j'ai pas compris un truc. Statue. Ok, entière. Ah, Suru. Ah, mais Surugay est déjà équipé. Bah non, on va pas lui voler quand même, la pauvre. Non. Donc skill, ok. Alors ça, c'est bien. J'ai l'impression que tu peux les améliorer visiblement. Ok, donc il te faut. Voilà. Un tome 1 de l'offensive skillbook. Ouais. T'en faut un, comme ça tu sais améliorer tes skills. Sachant que j'ai l'impression que... Alors, c'est peut-être... Non, je pense pas. Non. En fait, je pensais que tu pouvais avoir plusieurs skills, débloquer plusieurs attaques. Mais en fait, j'ai l'impression que tu peux juste les améliorer. Bon. En soi, c'est bien. En soi, j'aurais préféré aussi que, je vais vous dire honnêtement, à débloquer des attaques, c'est bien. Voilà. J'ai coupé le son du jeu exprès pour vous dire ça. Mais ouais. C'est vrai que débloquer aussi des capacités, c'est très bien ça aussi, tu vois. Ah bah voilà, je me disais comment on l'utilise. Ok, Battle Basic 2. Ok, donc ça c'est un skill vraiment unique. Donc t'appuies sur le bouton X et voilà. Ouais, là ça lag. Enfin j'étais à 42 FPS. Alors que la première fois ça n'a pas fait ça. Ouh, des gros bateaux. Ouh. Oh c'est bien ça. Ouh, ils sont gros les bateaux. Incroyable. Oula. Oh comment... Bon, par contre, on va quand même pas se le cacher. Bon, le jeu est fun, hein, prise en main et tout. Ça reste quand même globalement bon. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même limité techniquement. Hein. Mais vraiment, quand même bien limité comme il faut. Par contre, je suis désolé, il y a un truc, je viens de le remarquer ici, les gars. Le fait que tu sois sur un carré, et que tu puisses pas réellement te déplacer trop librement sur la mer, je trouve que c'est quand même n'importe quoi, les gars. Bon, on est censé être sur la mer, on est censé être des navires. Comment est-ce qu'on peut pas au moins naviguer librement? Tu vois? Je sais pas, j'ai envie d'affiner ma tactique, j'ai envie de me cacher derrière un bateau, éventuellement. Si jamais j'ai un souci contre un boss, je me cache derrière un bateau, j'essaye de me protéger, j'essaye d'affiner des tactiques. Bah je peux pas, je suis dans un carré, je suis libre à moi-même. Ah, c'est dommage ça quand même. Non, c'est... C'est vrai que bon, au début, je pensais qu'on pouvait aller partout, dans la mer et tout, mais non. J'ai l'impression que non, c'est quand même vraiment, vraiment dommage. Non, c'est... Ah, pour le coup, assez surpris. Bon, après, ça n'empêche pas le jeu d'être fun, hein, je tiens à le dire. Cependant, petite déception là-dessus, c'est que je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus libre de nos mouvements. Ok, alors fais voir ici. J'ai l'impression que quand j'appuie sur certains boutons, le personnage parle, d'accord. If you want. Oh, c'est Madame Tight, attention. Takao, ok.
Bon, je sais pas si c'est un boss parce que bon, ça a été représenté par l'icône du personnage, donc j'imagine que oui. Oh bah Kaga et... Alors je pense que l'autre elle a des cheveux rouges, mais ça tu vois, c'est des personnages que je connais déjà, tu vois. Apparemment ce sont deux déesses et j'ai bien compris la chose. Ah, il y a des bons dialogues quand même. Tu vois, là je disais rien parce que je lisais et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des bons dialogues. Voilà. Pour vous prouver que j'ai jamais commencé encore le jeu. Par contre, punaise. Oh, l'écran du save data, il est horrible. Oh la vache. Ah, il est dégueulasse. Ah, je suis désolé de dire ça, il est dégueulasse. C'est un truc de fou. Oh. Mais c'est que c'est sympa comme endroit. Donc j'imagine que c'est ce qui va servir de hub central, certainement. Ouais. Donc elle dit clairement, je suis pas venu ici pour souffrir, ok, bon. Si tu veux, ok. Bon, par contre, petit détail aussi, ils auraient peut-être pu faire un effort, c'est que bon, quand t'es en mode détente et tout, t'as pas besoin forcément de t'équiper de tes bateaux, hein, j'ai envie de te dire aussi, donc ils auraient pu au moins mettre des tenues, enfin... Pas des tenues normales, parce que je veux pas dire que c'est anormal les tenues qu'elles ont, mais pour le souci du détail, ça aurait été bien des tenues un peu plus chill, détente, pour le lui adapter, quoi. Bon. C'est éventuellement un détail, hein, parmi tant d'autres. Ok, donc un nouvel event. Oh, il est sympa, cet endroit. Oh, moi j'aime bien. Très cool, très sympa. Tu peux encore te déplacer librement, en plus. Où est-ce... Ah, d'ailleurs, on va voir. Jusqu'où est-ce qu'on peut se déplacer? Ah, je suis curieux, là. Tu vois? Là, je suis assez curieux, globalement. Ah, par contre, ouais. Ça parle beaucoup, hein, encore une fois, là. Bah, tu me diras comme moi dans ma vidéo, mais bon. Vous avez l'habitude avec moi, je pense. Ouais, voilà. Ok, ok, ok. Ah, encore une loot box. Nickel. Ok. Ouais, ça va, allez, t'en fais pas. T'en fais pas, ça va bien se passer. Ok, bon. J'imagine que c'est l'exploration, voilà, bon. On connaît... Oh, punaise, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la vache. Ouh. C'est quoi, ces armes? Oh, la vache. Je veux bien la référence du bateau, moi. Pour ressortir des canons pareils. C'était quoi le bateau de la Seconde Guerre mondiale qui avait ça? Nagato. Bon, j'imagine que c'est un navire japonais. Bon, voilà, c'est Akagi que je disais. Ouais. Ah, car design, encore une fois, moi. Bon, je trouve qu'il est vraiment sympa. Bon, après, j'ai une petite légère préférence peut-être pour Kantai Collection, pour l'Abyssal Fleet. Ouais. C'est un petit peu les espèces de... Bon, Azur Lane, t'as les sirènes. Quand t'as Collection, t'as l'Abyssal Fleet, voilà, tout simplement. Enfin, Abyssal, Abyssal, voilà. Vous comprenez, je pense. Oh, si on peut la débloquer, elle, je veux bien. Hein. Je veux bien tester, hein, un personnage comme ça, qui a des canons de Dieu le Père. 20 dieux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais niveau car design, par contre, ça va. Ça se démerde vraiment bien. Ok, on va skipper. Combat de boss? Non? Ah, mince. Ou peut-être qu'elle a rejoint mon équipage, je sais pas. Oh. Donc Kaga, ok. Bon, je vais passer. Jusqu'où ça va nous mener tout ça? Oula. Par contre, j'ai l'impression que des fois, les voix commencent plus vite que les dialogues. Par contre, bon sang, alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup de dialogues. Par contre, on n'a pas beaucoup joué, hein. Et ça va faire quoi, 25 minutes qu'on est sur la vidéo?
Là, le rythme, il n'est pas trop soutenu, j'ai l'impression. C'est vraiment énormément de dialogue, hein. C'est fou. Ok, ouf. On peut jouer. Incroyable. On fait voir. Ah, on peut les... Ah non. Attends, quoi? Pas assez de points A, visiblement. D'accord. Bon, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Bon, je serai au fur et à mesure du temps, bien entendu. Ok. Attends, j'aimerais bien jouer ce personnage. Comment je fais? Ah oui, bah... Je sais, ça, je me souviens, maintenant. Parce que j'aimerais bien la tester. Portland. Ok. Et là, ça lag de nouveau. Et c'est un truc de fou. Ok. Non, en fait, peut-être que visuellement, ça se voit pas. Mais moi, j'ai OBS qui me dit clairement que ça tourne à 30 FPS au lieu de 60. Bon, okay. On va changer de personnage. Ouh, elle a... Eh. Quand même un beau stock d'armes, elle aussi, hein. Je veux pas dire. Par contre, waouh. Ah, le framerate. Et je vous jure, les gars, j'ai un bon PC, hein. J'ai vraiment un bon PC qui, normalement, le fait tourner même en plein écran, hein, en full screen. Oh là là, ah, les gars. Bon, par contre, ça va. Et regardez, vous remarquez quand même, selon les déplacements, selon les tirs, selon tout ce qui se passe, les vagues réagissent exactement à tous les détails des tirs et j'en passe. Hein. Je tiens à dire que c'est quand même sympa à noter parce que très peu de jeux vidéo le font. Très peu. Bien moins que ce que vous pensez. Donc honnêtement, j'ai envie de te dire, bah quoi, oui. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Oui. Tu es à haut. Et Toward. Oui. Oui, bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bug? J'ai l'impression qu'il y a un bug. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh ce jeu. C'est pas possible quand même. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible. Eh oui, bah oui, bah on est limité par le terrain, attends. Attends, écoutez, on va foncer, hein, je sais pas. Ça lag en plus. Émergence, ah bah voilà. Autant pour moi, j'étais de mauvaise foi. Bon par contre, je pouvais pas trop m'attendre à ce qu'elle est qu'un... Qu'on fasse apparaître un ennemi là-bas, quoi. Aussi. Voilà. Bon. Je sors une petite excuse. Mais bon, c'est une excuse ridicule. Hein. Vous en conviendrez aussi, les gars. Ah, c'est quand même... Bon, même si les déplacements restent limités, ça reste quand même agréable de se déplacer sur l'eau. Hein. Voilà. Je tiens à dire, c'est fluide, c'est efficace. Moi, j'apprécie beaucoup. Par contre, j'ai pas... Enfin, j'ai assez mal joué. Pourtant, j'ai un rang S. Ok. Ok, donc c'est l'imacation... Enfin, l'imacation. Est-ce que c'est un mot qui existe, ça? Je pense pas, non. C'est l'évolution de Shimakaze. Ok, d'accord. Bon, j'ai l'impression que, bon, il y a un petit scénario où tu suis Shimakaze, son ami et tout. Ça a l'air sympa. Niveau évolution, niveau histoire, faut voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Oula, oh, fou. Oh. Le moment loli, j'ai envie de te dire aussi. Bon, je vais passer parce que... Eh, je tiens à dire, il est très bien, le jeu. Pour l'instant, vraiment, je suis pas trop déçu, à part que son portage sur PC... J'ai l'impression vraiment, mais vraiment, que c'est optimisé avec les pieds. C'est un truc de fou. Certes, c'est limité. Sur le terrain, c'est très limité, je trouve. Niveau attaque, ça reste bien, même si je regrette qu'on puisse pas débloquer des skills en soi. Hein. Mais bon... Globalement, ça se prend bien en main, c'est cool. Bon, après, tu sens qu'il y a du retard, même s'il y a 3 studios quand même, hein, sur le jeu. Mais globalement, ça reste très agréable. Hein. Voilà. Je tiens à dire, c'est vraiment cool. Et moi, honnêtement, ça va, moi, je passe un bon moment. Honnêtement. Ok, c'est donc... c'est du standalone pour elle. Ok. Bon, bah, la famille, bah, excusez-moi, le jeu a crash. Oui, le jeu a crash, exactement. J'étais en plein combat et tout, voilà, je faisais tout bien, voilà, j'essayais quand même de passer au-delà du problème de framerate, on va dire ça comme ça. Et d'un coup, bah, le jeu s'est fermé tout seul. Je me suis dit, ok, bon, écoute. Habituellement, j'aurais recommencé la vidéo, là, j'ai pas trop envie, vois-tu. Alors, par contre, bon, je fais le rendu ici avec OBS, du coup, bon, c'est pas trop grave, je vais juste vous dire un truc. Parce que je vais devoir faire le rendu ici avec Vegas pour coller les deux parties des vidéos.
Et du coup, vous n'aurez pas vraiment le 60 FPS. Bon, après, le jeu en soi n'est pas en 60 FPS. Donc, je tiens à dire que c'est pas trop grave. Maintenant, j'espère juste que je pourrai passer le combat. Comme ça, on va terminer cette vidéo ici. Parce que ça m'ennuie, quoi. Ça m'ennuie. Le jeu, j'y ai même pas joué 30 minutes. Des crashs, du lag à l'écran titre, du lag lors de l'opening, du lag in-game comme pas deux, et du crash lors du combat. Ah les gars, c'est pas bien. En soi, le jeu, il est pas mauvais, mais le portage PC, horrible. Horrible, les gars. C'est vraiment assez fou, je trouve. C'est dingue. Donc voilà, on recommence ce combat. Bon, voilà, on est obligé, hein, les gars. Écoutez, on est un petit peu obligé. En soi, bon, je vais quand même faire un petit bilan. Rapidement, bon, après juger le jeu en 30 minutes, bon, je vais pas le juger entièrement, hein. Vous vous doutez bien, j'ai envie de dire. Bah, les combats sont sympas. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'assez low cost, hein, dans les médias. Bah, j'ai quand même été assez surpris globalement parce que, bon, certes, t'es limité dans tes déplacements, je veux bien, certes. Tu sens qu'il y a un côté vieillot, c'est sûr. Cependant, je suis quand même surpris de voir quand même la qualité des vagues. Bon, sans de bonsoir, c'est fou, moi je trouve, c'est vraiment très bien rendu. Finalement, le fait que tu puisses jouer plusieurs personnages comme ça, tu puisses évoluer leur technique, leur arbre, si je peux dire ça comme ça, c'est quand même cool, j'ai envie de dire aussi. Il y a tout un aspect gestion avec ce jeu qui m'a l'air globalement de bonne manufacture. Donc honnêtement, j'ai envie de te dire, ça a l'air quand même vraiment sympa. Non, le gameplay est bon. Le gameplay est bon. Bon, faut voir vraiment. Bon, je vais peut-être le prendre sur PS4, le jeu. Pour y jouer dans des bonnes conditions où j'attends un patch, hein, sur PC. Bon, il y en aura sûrement un, je pense. Bon, après, c'est vrai que le gameplay, bon, limite à 4 boutons, c'est pas foufou, hein, on va quand même pas se le cacher non plus. Mais je tiens à dire, j'ai joué à des jeux qui se prenaient pour des jeux prétentieux qui avaient beaucoup moins de boutons que ça. Ça jouait genre à 2 boutons, un truc comme ça. Bon, c'était pas dingue, hein. C'était vraiment pas dingue du tout. Cependant, s'il y a une vraie évolution des capacités qui ne se voit pas que via les dégâts, et rendre les batailles un peu plus impressionnantes, ça peut être cool, ça peut être sympa. Parce que bon, tu combats des navires, c'est sympa. En plus, les effets. Je reviens souvent sur ça, hein, les gars. Mais l'effet de l'eau, l'effet des vagues. Bah, moi, je suis dans un warship. Donc, j'en attends beaucoup. Voilà, c'est logique de penser ça. C'est comme penser tout simplement à un jeu de ninja, que les ombres et la dissimulation soient bien foutues. Tu vois, ça va te perdre, j'ai envie de te dire aussi. Oula, ouf, j'ai eu peur, c'est moi qui avais désactivé les dialogues. Je me suis dit, bon, non, pas un black screen, s'il te plaît. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Mais voilà, globalement, allez, je vais vous dire, je m'attendais à rien. Je m'attendais vraiment à un jeu très lambda, qui manquait certainement d'intérêt et tout. Bah là, bon, je vais pas dire que c'est une énorme surprise, mais le jeu est clairement pas mauvais. Non, clairement pas mauvais. Moi, je trouve honnêtement qu'il a vraiment ses qualités. Bon, il a ses défauts, mais il a clairement ses qualités, c'est sûr. Donc ouais, franchement, les fans d'Azur Lane vont clairement trouver leur compte à 1000%. Ça, c'est sûr. À 1000%, ils vont totalement trouver leur compte. Par contre, j'espère que là, ça va pas bugger. S'il te plaît, ne crache pas. Ce serait quand même vachement cool, tout de même. Ok, bon, on va peut-être switch un petit peu, je pense. Ça me paraît pas mal. Par contre, regardez. Son partenaire n'attaque. Regardez, hein, je joue avec l'IA, mon partenaire. Regardez, l'IA dépend, enfin l'IA de ton partenaire dépend intégralement de toi. C'est-à-dire que moi, tant que j'attaque pas, bah, mon partenaire il n'attaque pas du tout. Voilà, vous voyez, à la seconde. Oh là là, oh, par contre, oh, je vais me voyer parce que les problèmes de frame rate là. Oh là là, les gars. Alors je sais pas qui s'est occupé du portage PC, mais bon là, c'est une catastrophe. Hein. Ah, c'est chaud, hein. Bon, j'essaye de m'éloigner au maximum pour pas avoir trop de problèmes de framerate, là, les gars. Pourtant, j'ai un bon PC. Je comprends pas, les gars. C'est dommage. Parce que tu sens clairement le potentiel du jeu. Enfin, je veux dire, bon, certes, tu restes depuis tout à l'heure dans le même décor, ok. Bon, j'imagine que ça évoluera par la suite, ça. Pour le coup, j'espère une replay vaut de qualité également. Voilà, quand on rejouera d'autres unités, d'autres warships. Bah, j'espère que j'aurai pas qu'à suivre le scénario principal et qu'il y aura genre des quêtes annexes. Je veux dire, t'es dans une map. Tu as le droit de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'events. T'es libre arbitre de faire beaucoup de choses.
Bah, j'espère que le jeu prendra cette tournure. Voilà. J'espère ne pas juste suivre le scénario principal et j'espère faire du FedEx un petit peu aussi. Voilà. Je tiens à le dire. Par contre, mon partenaire, t'es pas trop obligé de te coller à moi aussi. Hein, je tiens à dire. Voilà. tu peux. C'est bien de te coller à moi. Tu m'aimes peut-être bien, c'est cool. Mais. Voilà. Bon, par contre, sac à PV devant. Hein. Waouh. C'est un truc de fou. Hein. Ok. Bon, par contre, bon. Les effets sont pas ouf. Par contre, l'effet que ça te fait sur l'eau. Attention. Hein. ah, non, non. Je vais en revenir souvent avec l'eau, mais bon, voilà. Vous comprenez mon avis, je pense, globalement. C'est bien foutu. C'est vraiment extrêmement bien foutu. Ok, alors j'imagine que c'est un buff d'attaque. Ok, petit boost. C'est sympa, ça aussi. Ok, l'autolock qui fonctionne à merveille. Par contre, bon, encore une fois, on est sur le début du jeu. Les batailles sont peut-être pas impressionnantes. Par contre, c'est vrai que bon, quand on a combattu plusieurs bateaux, hein, vous vous souvenez, les quatre navires, bah, c'était assez beau à l'œil, hein, quand même. Je veux dire, c'était furieux, c'était nerveux. Il y a quand même un certain intérêt qui était vraiment jolé à l'œil, hein, assez tape à l'œil et tout. Donc maintenant, j'attends de voir hein, ce que ça donne au fur et à mesure du temps, quand ça va évoluer. En espérant qu'il n'y ait pas de souci de lagosser, parce que bon, si ça laguait déjà 4 bateaux, j'espère qu'avec 6 bateaux, le jeu ne crache pas. Hein, voilà. Mais bon, on est sur PC là, hein, voilà. À voir, ok, donc il y a plusieurs events, mais je vais m'arrêter ici. Voilà, voilà. Donc, bah, globalement, un bon jeu, bon, c'est pas extravagant non plus, voilà. Mais première plongée dans Azur Lane, qui a l'air sympa sans plus, à voir, hein, bien entendu, quand j'avancerai dans le jeu. Mais cette première impression de découverte, pour ma part, bah, me fait du bien. Parce qu'honnêtement, le gameplay est cool, c'est sympa. Éventuellement, il y a beaucoup de dialogues, bon, trop de dialogues pour moi. Mais bon, ça ne regarde que moi encore une fois, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire aussi. Mais c'est vrai que bon, pour plonger dans la storyline, pour plonger éventuellement dans les personnages, ça peut être sympa. Bon, après, il faut voir si les personnages derrière sont pas trop stéréotypés et inintéressants. Ce qui m'a pas l'air de me donner une énorme bonne impression, hein, je tiens à le dire pour être honnête, dans Azur Lane. Mais bon, à voir hein, l'évolution, j'ai envie de te dire aussi. Mais à part ça, voilà, en tant que jeu en lui-même, le jeu se vaut plutôt bien bon. Faut voir un petit peu après quand ils appliqueront les patchs. Quand ce sera fluide, quand tu auras une vitesse maximale et tout, ça sera mille fois mieux, c'est sûr. Mais en l'état, c'est vraiment très bon. Je suis assez surpris. Voilà. Et honnêtement, ça se joue, ça se joue. Déjà, rien que le fait que tu puisses débloquer plusieurs warships et tout, bon, en même temps, c'est normal. Hein. Vu l'univers d'Azur Lane, ils ne vont pas nous caler que deux personnages. Hein. C'est normal aussi, j'ai envie de te dire. Mais honnêtement, c'est plaisant. Et puis bon, faut voir un petit peu les autres personnages. Hein. Commence à zéro et puis 28 personnages, les gars. Eh. C'est beaucoup, 28 hein, personnages, moi je trouve, pour ce genre de jeu, et encore. On était peut-être à la page 1, hein. Peut-être que tu débloques plus de 28 personnages, hein. Voilà. Ça, je ne sais pas. J'aimais juste une hypothèse. Voilà, encore une fois. Mais voilà, honnêtement, bonne première impression. À voir par la suite, mais honnêtement, j'ai été globalement très satisfait. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, petits amis, je vous laisse sur cette petite vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo. C'était Téléphone. À bientôt, tout le monde, les petits amis. Ciao, bye bye, les gars.